Vers le report de la manif de ce jeudi, les tenors des FVG en concertation. C'est la concertation de la dernière chance, apprend-on, entre les principaux tenors des forces vives ce mercredi 8 mars 2023. Après la médiation de la dernière chance d'hier mardi, entre le grand imam de Conakry et des leaders des forces vives, les tenors de cette coalition politique la plus représentative du pays seraient en pourparler à l'instant même pour voir s'il faut ou non accéder à la demande formulée par le religieux Eladj Mamadou Saliou Camara. Selon notre source, plusieurs forces sont entrées dans la danse pour dissuader la classe politique de marcher sur Conakry ce jeudi. Des religieux qui se sont joints au grand imam de Conakry ont pris des engagements auprès des FVG afin de créer un pont avec le gouvernement pour prévenir les tensions. Notre source affirme que des préalables non négociables ont mis sur la table. Il s'agit de la levée de l'interdiction de manifestation, l'arrêt des persécutions judiciaires contre les opposants et l'ouverture sans délai d'un cadre de dialogue sous l'égide de la CEDEAO. Après avoir écouté religieusement ses hôtes, le grand imam Eladj Camara a demandé aux acteurs de suspendre toute manifestation afin de lui faciliter la tâche auprès du gouvernement qu'il aurait d'ailleurs mandaté, assure notre source. Au moment où on couche ces quelques lignes, les tenors sont en pourparlers. Il y a une forte chance de voir les leaders des FVG reporter la manifestation prévue pour demain jeudi. Mais pour l'instant, rien n'a été arrêté. Le débat se poursuit.